Bonjour, je m'appelle Ned, je vais vous présenter une petite séance avec des jeux de balles pour les enfants. Alors on peut faire avec des balles de cette taille-là ou des balles un petit peu plus grandes. J'ai fait un petit espace autour de moi, vous pouvez le faire à l'extérieur si vous avez un petit jardin. Donc premier exercice que je vais vous proposer, tout simplement avec la balle, une petite balle de tennis, hein, celle-là elle est petite, une balle qui rebondit par contre. Donc là déjà, je vais juste sur place la lancer et la rattraper avec la même main. D'accord? Ensuite, si j'arrive pas, si c'est un petit peu difficile pour les plus petits, on peut laisser la balle rebondir une fois par terre. D'accord? Ça, c'est pour la première situation. La deuxième situation, je vais prendre la balle dans une main, l'autre main à côté, et je vais lancer la balle d'une main à l'autre, ce coup-ci, en essayant qu'elle ne tombe pas par terre. D'accord? En faisant gaffe, bien sûr, au plafond. Hop. Hop. Ensuite, je vais présenter une autre situation. Là, on va essayer de lancer la balle en l'air, toujours en faisant gaffe à la hauteur. Taper dans les mains et la rattraper. Après, un rebond. S'il faut, on peut laisser rebondir deux fois. D'accord? Ensuite, si on y arrive bien, on peut faire avec juste taper et rattraper sans rebondir, en changeant un petit peu aussi la main. Voilà. Si ça, on y arrive, on peut essayer de complexifier un petit peu la situation en tapant une fois devant, une fois derrière et en rattrapant la balle avec un rebond. D'accord? Là. Ou une dernière fois, sans rebond. Là, il faut aller un petit peu plus vite. Et la dernière situation, on va lancer la balle, faire un tour sur soi-même et la rattraper dans un sens et dans l'autre. Voilà, j'espère que toutes ces situations vont vous aider. En vous souhaitant un bon courage à tous. Au revoir.